Alors, une autre surprise qui va certainement vous émouvoir encore une fois. Nous allons demander à cet homme de faire son entrée. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Alors, voilà, on a. Artiste freestyle Bravo, en basketball à l'international, bien sûr. Bonjour, vous allez Bonjour. bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes fan de Serge Benaud, vous me l'avez dit. Hein? C'est ça, j'ai découvert donc l'artiste en arrivant ici. Vous connaissez un de ses concepts? Comment? Vous connaissez un de ses concepts? En fait, j'ai entendu son dernier morceau, Fuenta Fuente. Fuenta Fuente. J'ai adoré. C'est un concept chinois. Voilà, faut pas dire Fuenta Fuente, ça se dit le Fuenta Fuente. Alors, Serge, mais nous, on a voulu te faire cette surprise parce qu'on nous a dit que tu es fan de basketball. C'est-à-dire que si tu n'avais pas été artiste-chanteur, certainement que tu serais aujourd'hui un grand joueur de basket. Ouais, c'est pourquoi on a eu donc cette prestation de Mixi. Mixi qui est donc de passage ici en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il est ambassadeur de l'association Soliciproc, association qui intervient pour des œuvres caritatives. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui, et vous ça, mettez donc en relation, sinon en corrélation, les enfants de Lille en France et ceux de la Côte d'Ivoire. C'est très bien. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, on organise un tournoi de basketball. Donc là, cette année, il a lieu à Cocody, au Doux Plateau. Donc voilà, on fait un événement de basket. Nash, hein. Donc Nash. Voilà, la marraine était Nash. Donc je suis venu aussi avec une délégation qui vient de France, avec DJ Crispy. Il y a certaines personnes ici qui doivent certainement le connaître. Donc DJ international, DJ officiel de RFI. Donc voilà, avec Léna Mems, donc qui est animatrice, pardon. Ça va aller. Moi, je veux tout simplement faire ça. Qui est animatrice télé et Serge, tu veux que radio. Je te fasse plaisir? Vas-y. Attends. Ah, tu vois comme J'ai tué. Hilo. Je ne le refais plus, là. Attends. Non, je suis trop forte. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de ces midi. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et puis Fuente. Franchement, je parle pas chinois. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Ça t'a fait plaisir, Serge? Si, ça me rappelle les bons moments, en tout cas quand j'étais tout petit. Quand tu rêvais de devenir basketteur comme Allen Iverson. Iverson, c'était mon idole et bon, malheureusement, je suis pas devenu basketteur. Heureusement pour nous. Et puis t'es fan de Puff Daddy aussi, le rappeur américain Puff Daddy. C'est P. Diddy, c'est mon gars. C'est mon gars, je ne jure que par lui. En tout cas, si je rêve de rencontrer quelqu'un dans ma vie, c'est P. Diddy.